Loin de l'agitation de la veille à Vincennes, c'est dans la campagne mayonnaise à Ruy et Froidfond que nous avons retrouvé voltigeur de Myrthe et sur la de Julien Foucault lundi matin. Avant de pouvoir se lâcher comme il se doit dans son paddock, le pensionnaire des époux de Nati a tout de même dû passer par quelques étapes matinales dans un emploi du temps digne d'un agenda de ministre. Après avoir évolué déféré des quatre pieds quelques heures plus tôt, le fils d'Opus Vierville retrouve tout d'abord le plaisir du ferrage au bon soin d'Anthony Péjus. Avant de prendre place dans son camion, pose photo avec à ses côtés son lad, Anne-Françoise Onati et Madame le maire, Madame Elbert. Le temps de faire 3,5 km en camion, le bel étalon noir prend place sur le mannequin de la salle d'insémination de l'établissement de Franck Leblanc, lieu où il a l'habitude de faire la monte sous les encouragements avisés de Julien Foucault, qui trouve assurément les bons mots pour motiver le dauphin de Penquick. Et c'est donc 20 minutes seulement après avoir œuvré sur le mannequin de la salle d'insémination à l'attention des poulinières étrangères que Voltigeur de Myrthe a pu se défouler dans son paddock devant les caméras de Paris Turf TV.